Xing. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Bravo Race. Quoi? Bravo Air Race, décidément, c'est pas très lisible. Comme titre, donc, un jeu développé par Metro THQ en 97, ou plutôt par Sing. Donc, un jeu sorti sur Play 1, évidemment, vous l'aurez vu avec le petit cryptogramme, et le petit bouton X pour sélectionner. Alors, on a plusieurs modes. On a un mode 1 joueur, 2 joueurs, on a le mode Team Attack et le menu Options. On va voir ce qu'on a déjà dans le menu options, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a le contrôleur config, donc on a le type A. Donc en fait voilà les touches, on peut les monter et descendre. Parce que là c'est logique, c'est inversé, puisqu'on est dans un jeu, vous l'avez compris, d'avion. Le speed down, speed up. Et c'est tout en fait. On peut changer la vie avec triangle et on peut faire une acrobatie avec R1, enfin tous les R en fait, tous les R et L, on peut faire une acrobatie. Et on voit qu'on a un petit 2 player contrôleur, donc on peut jouer. À deux à ce jeu. On peut changer le config audio, voir les meilleurs temps et on peut charger, sauvegarder. Donc vraiment rien d'extraordinaire, mais bon. On a un time attack que je vous propose d'essayer tout de suite d'ailleurs. Alors on a quelques tracés. Alors je vois qu'on a un mode là avec un rank easy, rank hard. Ok d'accord. Donc en fait ça dépend du circuit. On a le South City, le Mountain c'est le rang facile, le Canyon c'est le rang hard. Le Snowland se le rend hard, normal sous City, donc il n'y a pas beaucoup de tracés hein, pour le moment. Allez, c'est parti, je vous propose d'essayer le premier circuit. On a une sélection d'avions disponible, donc sachant que ce sont des modèles qui ont déjà existé dans la vraie vie, en tout cas pour une partie. Alors, un truc de fou, on a transmission automatique au manuel. Je n'étais pas au courant que les avions avaient une boîte de vitesse. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça sera pas la seule incohérence dans le jeu. Donc on a l'avion qui s'appelle Lightning, on a le Mustang. Pas confondre avec la Ford Mustang bien entendu. On a quelques caractéristiques que vous voyez avec le vitesse maximale qui là par exemple est à 607 km/h. J'imagine que c'est des kilomètres heure parce que si c'est des miles c'est un peu violent. Une accélération 90, par contre la mobilité elle est pas très grande, on a 44. On va voir le prochain. On a donc le Mustang, on a le Thunderbolt. Qui lui a une bonne accélération, une mobilité encore pire. On a le Corsair qui par exemple est un peu plus homogène j'ai l'impression, avec une mobilité à 50 et une accélération à 90. On a le Zero Fighter qui, bah alors là niveau homogénéité on est parfait. On a le Zindange, encore un avion japonais, il est très particulier d'ailleurs cet avion. Max Speed 750, par contre il a l'accélération mobilité, c'est un bon avion hein, celui-là j'ai l'impression par rapport aux autres. Le Messerschmitt qui est très très bien aussi. Avec une accélération, une mobilité pas mal. Le Spitfire, un peu moins bon dans tous les points de vue. Et le JB, oh il est trop mignon cet avion, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Avec 90 d'accélération, 64 en mobilité. On a le Pitts 6046. On essaiera de plusieurs avions évidemment. Je vous propose de commencer par le tout petit, tout mignon. Il est... En plus, c'est une petite voix sympa, c'est cool. Et on a donc un petit chargement. No loading. Alors là, si vous avez déjà joué à Flappy Bird, ça va vous faire penser à... Moi, ça me fait penser à ce jeu en tout cas, je sais pas vous, mais cet écran de chargement en mode battement d'ailes des avions. Et donc c'est parti, on passe aux choses sérieuses.
Avec le départ. Alors c'est un mode time trial, donc il n'y aura pas évidemment. Il n'y aura pas de. Comment dire, de concurrent. Donc c'est un jeu de course d'avion. Et oui, c'est possible, ils l'ont fait. Alors, la particularité évidemment avec un course de jeu d'avion, c'est que ben, on va pas s'occuper uniquement de la droite ou à gauche, freiner, accélérer, mais on va aussi s'occuper de gérer notre hauteur et notre hauteur tout simplement. Là par exemple, on a un petit panneau qui nous dit de descendre un petit peu, ce que l'on va faire. On a un décor qui. Oh là là, mon dieu, on est en train de s'écraser complètement. On a un décor qui change pas mal déjà au niveau du tracé, on passe dans des tunnels. Alors j'appuie sur X, mais en fait, concrètement, j'accélère voilà avec le bouton X, et si je veux réduire la vitesse, j'appuie sur carré. On a beau être en time trial, on a quand même des checkpoints et on a quand même un temps limité. Le jeu ne nous autorise pas à faire ce que l'on veut concrètement. Aïe, bon, je sais pas par où on est passé là, par où on va sortir. Et on a fait un tour déjà. Alors vous voyez, on a une ligne hein, qui nous explique où il faut passer, enfin où je pense que c'est la trajectoire idéale. Aïe, là j'ai une petite, j'avais des... Aïe! Alors allez, quand on est un petit peu plus haut, on se fait ralentir de manière artificielle. Et c'est logique, hein, ça me fait penser un petit peu à Escombat 2 quand on est dans le canyon ou Escombat 3. Ou même dans le 4 d'ailleurs. Ou quand on pourrait se dire, bah suffit d'aller par en haut et comme ça c'est plus facile. Bah non, le jeu vous l'interdit ici. Alors là, il vous détruit pas, mais il vous fait perdre de la vitesse. Wow, on va essayer de se calmer. On peut passer dans la fontaine un tout petit peu, je sais pas, j'ai l'impression. Alors pour l'instant, le record c'est 1 minute, on a fait 1 minute en 57. Je pense qu'on peut améliorer le record si je fais pas trop de bêtises. Alors par contre, c'est assez vif hein, dans les mouvements. Je vais tapoter parce que si je bouge d'un coup, allez, hop, ça tourne. Alors je pense que c'est dû au fait que l'avion soit assez maniable aussi. Et là j'ai pris le S, donc je pense que j'ai pris le super speed, du coup on a mis le temps de 8 secondes. Alors je pense qu'on a 3 tours à faire. Et là regardez, il fallait que je remonte et que je redescende d'un coup. Oh attention! Ah, il faut vraiment être. Alors c'est pas évident, hein. Concrètement, les avions sont pas spécialement faits pour ça. Je n'ai pas lâché l'accélérateur, hein. C'est pour ça qu'on est de plus en plus rapide. Même si je pense qu'on va pas tenir longtemps à cette vitesse. Ah oui, ça descend un petit peu quand même. L'avion. Comment expliquer ça? L'avion descend un petit peu de lui-même, suit un petit peu la courbure de la piste, hein, si on peut appeler ça une piste. Ce qui fait que j'ai pas forcément besoin à chaque fois de monter ou descendre, ça le fait un petit peu automatiquement. Donc là on a un tour à 40. Aïe, je me suis complètement crashé. Et on a pas amélioré notre temps. Et non. Bon, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc on a droit à un replay, écoutez ma foi, fort sympa. Alors le jeu est évidemment beaucoup, beaucoup, mais alors complètement vieilli, hein, c'est assez moche. Après, pour un jeu sorti en 97 sur la Play, ça va. Ça va, c'est pas. Il y a bien eu pire que ça. Alors, est-ce que je peux changer la vue? Non, c'est vraiment automatique. Ah, si, attendez. Non, on peut pas changer, ça aurait été trop beau. Donc, on va passer à la suite. Je vous propose de mettre le mode de 1 player. On peut mettre notre pseudo, autre nom. En plus, c'est en 3 LED, donc bah, comme d'habitude, ça marche super bien. Allez, on continue. Game over, tout à fait. Ranking South City, et nous on a fait. On n'a pas fait un bon temps, hein, puisque le best lap c'est en 1:20. Ah, attendez! Snowland. Ah, attendez. Oh. Alors, je peux pas changer en fait, ça se fait automatiquement. Canyon. Ah, du coup, je crois qu'on n'a pas fait de. On n'a pas fait de meilleur temps, hein, concrètement. Ah, Mountain, si, regardez, 2 minutes 43. Bon, c'était facile à battre, hein, puisque le deuxième, 2:38. Allez, on va passer à la suite. Je sens que ça va être un test assez court, hein, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de contenu. Enfin, en tout cas au début, je sais pas si on développe dans débloque pardon quelque chose après. Alors Mountain, on l'a déjà fait. Donc on va essayer de faire un autre. On va essayer de faire par exemple South City. On va changer d'appareil. On va prendre un.
Bon, le Mustang, je pense être trop compliqué. Thunderbolt aussi. Corsair, ça peut être pas mal. Bon, allez, 1-0. Un japonais, et puis après, on changera à nouveau. Vous avez vu, il n'a pas l'impression qu'il y ait de mode championnat. Hein. C'est vraiment course après course. On dirait un petit peu un jeu d'arcade qui a été porté sur le sur console. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ce soit un jeu d'arcade à la base. Alors, le chargement n'est pas spécialement rapide non plus. Hein. Là, si on calcule en temps, on doit bien être dans les 20 secondes, 30 secondes. Ah, quoi que, je crois que c'était mauvais angle. Et là, vous allez voir, on a des concurrents. Il y a 12 concurrents, ce qui est plutôt correct en nombre habituel. Et là, on est dans la ville. Alors, est-ce qu'on va voir quelques particularités, quelques trucs sympas? Alors, on a dépassé un avion. Ouh, c'est sympa. Alors, on est à travers un immeuble, on remonte, on sort de la ville pour monter dans la colline. Là, il faut descendre d'un coup. Ok. Alors, une caution. Ah, on peut taper les avions. On a le checkpoint. Alors, le bruit du checkpoint est assez marrant parce que c'est un bruit ultra random. Enfin, random. Ultra classique. Alors, il y a quelques ralentissements quand même, on s'en rend compte là. Et des fois, là, ça accélère, des fois, c'est beaucoup plus lent. Ah, Corsair, donc on est au moment où on est vraiment obligé d'aller à gauche, à droite, pardon. Là, on va rejoindre la piste. Oh, les ralentissements de fou. Aïe, il y en a encore entré dans le concurrent. Vous voyez, ça descend automatiquement. J'ai quasiment pas bougé le museau. Alors là, c'est pareil, au droit, ça n'a rien changé. Bon, allez, on va essayer de le rattraper à nouveau. Bon, le tracé est plutôt sympa, concrètement, le décor est plutôt cool. Bon, il est assez simpliste, hein, ça manque un petit peu de détails. Mais alors, on avait deux solutions, on pouvait aller soit tout droit, soit à gauche. On a pris à gauche, mais je pense qu'il y a moyen de changer de côté. Ah, c'est de l'arcade pure et dure, hein, concrètement. Et j'ai pris un mur. Et là, regardez, l'avion s'est complètement détruit, mais je n'abandonne pas. Ce n'est pas comme dans Wipeout, par exemple. On reprend la course ensuite. Alors là, je ne fais rien, concrètement, je ne fais que droite ou gauche. C'est un petit peu ce qui est dommage. Oh, bah ouais, là, il faudrait qu'on descende. Et il nous a ralenti lui-même. On est sixième. Ah, ce blip là, c'est-à-dire le blip de Gran Turismo. Mais aussi le blip de plein d'autres jeux. Caution. Donc là, on va pas se faire avoir, hein. On va essayer d'aller à droite. Comme on a dépassé le. Comme on a dépassé l'avion d'un coup. Ah, ce qui est bien, c'est que là, on a pris vraiment de la vitesse. Donc, du coup, si on arrive à pas se planter, il y a moyen de pouvoir remonter rapidement. On est quatrième pour le moment. Aïe, on a tapé à nouveau. Bon, c'est pas très difficile. Honnêtement, bon, je suis pas premier pour autant, mais je veux dire, pour la première fois où je fais le tracé, être troisième, c'est quand même pas mal. Regardez, j'ai 82 secondes de temps disponible, donc c'est pas... On est loin de la difficulté d'un Sega Rally, par exemple, ou d'un... Tour une car rally, là par exemple j'aurais dû baisser plus tôt. Il faut vraiment suivre les panneaux, hein, pas se faire avoir. On a dépassé un petit Messerschmitt là. Et on est second. Ah, j'aurais bien gagné la course pour voir ce qui se passe quand on la remporte. Est-ce qu'on débloque par exemple un nouveau tracé? Ça serait bien. Alors là c'est un tracé de niveau moyen, vous l'avez vu au début. Donc je m'attendais à un truc beaucoup plus dur. Concrètement j'ai eu plus de mal avec le tracé en mode easy qu'on a fait en time trial. Time trial que avec celui-là. Voilà, c'est dommage parce que vraiment la framerate elle est dans les choux à certains moments. Aïe aïe aïe. Il va encore y avoir le bâtiment. On va essayer tout droit, allez, c'est parti, on passe tout droit. C'est passé. Et du coup, on a fini. Ah, ben on est premier. J'avais pas fait gaffe, on a dépassé le.
premier avion et on a remporté la victoire. Regardez-moi ça, avec un record en 1-2 à la fin. On a gagné 10 secondes dans le dernier tour. Alors j'aime bien la musique du replay. Ouais, c'est les musiques, bah, je sais pas, ça fait très années 90 en fait. Hein. On sent bien, ça fait un petit peu Sega Rally 2 là, je sais pas, moi ça me plaît, franchement c'est pas mal. Alors on va faire la suite, on va voir si on gagne quelque chose, c'est tout ça qui m'intéresse. On va encore mettre notre score, magnifique, c'est ça qui me fait penser à un jeu d'arcade, c'est le côté on met un score, on a game over à la fin, table des scores, bon bah voilà, ça fait vraiment arcane. Et du coup on a le record sur cette portion. Est-ce qu'on a remporté quelque chose? Pour autant. On va voir au niveau des tracés si on a eu autre chose. Je vous propose de faire celui dans la neige. Là, on a deux circuits en hard. Dans le canyon, on a rien gagné, j'ai l'impression. Bah écoutez, on va faire le Snowland. On va changer d'avion. On va prendre un... Allez, un petit Major Smith. Et on testera le quatrième tracé ensuite. Pour voir ce que ça donne. Alors je vous avoue que s'il y a seulement 4 tracés, c'est très 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 pauvre. Je sais pas combien le jeu a été vendu à l'époque. J'imagine qu'à l'époque il était vendu comme n'importe quel jeu dans les 360 francs. Ou 60 francs suisses si vous préférez. Alors là il faut aller down direct. Oula, ok. Alors là j'ai l'impression de jouer à Big Air mais c'est pas Big Air. Ah oui là par contre effectivement... Ok, donc on peut passer en dessous si on veut. Pour l'instant on est à fond, on est en train de doubler tout le monde. On est passé par en dessous, oh dans un igloo. Faut aller où? Oh le décor qui a du mal à s'afficher, c'est assez incroyable. On va plus rapidement que le clipping en fait. Regardez la montagne qui s'affiche, mais genre vraiment à la fin quoi. Bon, l'eau est plutôt bien rendue. On passe en dessous, attention de pas tomber dans l'eau. Enfin, je sais pas si on peut aller dans l'eau d'ailleurs. Ça remonte d'un coup. Oh là, il faut aller où? Faut descendre. Effectivement, le circuit est en mode difficile, donc je pense qu'il va être plus compliqué, enfin j'espère. Même si pour l'instant on s'en sort pas mal. Écoutez, ça se passe bien, on va remonter. Bon, le tracé est pas mal, mais ce qui est dommage c'est vraiment le clipping, et ça c'est vraiment le gros défaut. La framerate, le clipping, il y a pas mal de soucis à ce niveau-là. On est combien? On est quatrième. On a encore deux tours à faire. Alors le son des avions est aussi assez plutôt dégueulasse quand même. Allez, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser profiter, entre parenthèses, profiter du jeu. Ah bah oui, ça c'était à prévoir. Je sais pas si vous avez vu, on a eu jusqu'à 102 secondes de checkpoint, enfin de temps, de time limit. C'est énorme. Alors je vous ai pas montré effectivement, mais on peut voilà, faire des acrobaties avec les R, c'est ça que j'avais oublié de vous montrer. Je ne vois pas l'intérêt concrètement, mais bon, on peut le faire, regardez, hop là. Et on peut le faire dans les deux sens. Voilà. Hop là, du coup je fais n'importe quoi. Alors le jeu a des contrastes vraiment poussés, vous remarquerez. C'est pas très... ça fait très Saturne là, au niveau des graphismes, je trouve. Y a pas de... Je sais pas, y a pas beaucoup d'effets de graduation de lumière. Bon, en soi, le jeu est marrant, hein, enfin, marrant, est plutôt amusant. Mais ce que déjà on va regretter,
Ah, j'ai pris un dé, je pense que c'est un mauvais item. Ce qui manque, c'est par exemple bah, le côté un peu Mario Kart, dans le sens où on se bat un peu contre nous-mêmes en fait. Hein. C'est-à-dire il faut qu'on fasse pas d'erreur pendant tout le tracé pour remporter. Mais à aucun moment. Oh là là, bah, voilà, toucher l'eau. À aucun moment, par exemple, on va utiliser des items pour essayer de taper les autres avions autour de nous. Comme je vous dis, le fait que ce soit un peu automatique dans le. Dans la montée et descente de l'avion, ça rend le truc beaucoup plus facile. Alors c'est peut-être pour ça le MTAT. Hein. Peut-être qu'en MT en fait ça monte pas automatiquement. Donc là concrètement je vous le dis, je n'ai pas lâché l'accélérateur depuis le début. Hein. Je suis à fond. Et d'ailleurs on remporte la course sur le fil. Ah, je vous jure, le clipping, je crois que même la Game Boy Advance a réussi à faire mieux, quoi. C'est vraiment énorme. Bon, allez, on va passer au dernier circuit. On va mettre encore un temps, même si ça n'a aucun intérêt. Et on va faire fin. Game over, yeah! Bah, il n'y a pas de son, alors autant le faire à nous-mêmes, hein. Ah, je vous dis, c'est fou, niveau austérité, là, on a niveau 10. Allez, M pour One Player. Et on va faire le canyon. Comme ça, on verra ce que ça donne. On a bien tout fait, hein. South City, Mountain, on l'a fait. Bon, enfin, le canyon. Canyon. Spitfire. Et pourquoi pas un Spitfire? Le gibier, on l'a pris. Le Pitts. Allez, on va prendre un biplan, tiens, pour une fois. On va voir ce que ça donne si le maniement change vraiment. Je pense pas qu'il va changer beaucoup parce que quand on compare les stats, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'avion que j'ai pris avant. Donc, on va voir. Ouais, là, ça accélère un coup, des fois ça ralentit. Alors, quelque chose que je vous ai pas montré, vous allez voir. C'est qu'il y a une vue embarquée, regardez-moi ça. On a droit donc à une caméra cockpit. Du plus bel effet, mais surtout totalement incontrôlable parce que vraiment on n'a pas le temps de voir devant nous. Et c'est très difficile de juger en fait le gabarit de l'avion. Alors si vous voulez jouer avec le mode cockpit, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ah, j'ai l'impression de jouer à ce combat. Faites-vous plaisir, mais par contre c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, il y a quelques items pardon, qui sont dispersés à certains endroits. Regardez, là, il y avait un S par exemple. Mais bref, faut vraiment avoir des réflexes de taré pour pouvoir les utiliser. Et faut remonter. Oh, hop, 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 curse out. Bon, vous voyez, par exemple, ce tracé, je le trouve déjà plus difficile que le précédent. Ah, on peut rentrer dedans, ok. Là, par exemple, je ne redistingue même pas les décors devant moi, en fait. Aïe, cochon. Cochon. Alors, je vais profiter de la musique, qui est très très bizarre. Ah ben voilà, on s'est crashé comme une bouse. Alors je n'ai pas compris le système des lignes bleues. On imagine que c'est effectivement la trajectoire. Mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je trouve pas. Il y avait un S à récupérer, j'ai encore oublié de le prendre. Il faut descendre. Ok, mais pas trop haut apparemment, parce que si on descend trop on se crash. Voilà, on remonte. Ah c'est pas mal, là il y a de la vitesse, il y a de la vitesse. On se met à jouer mes petites vues embarquées quand même. Oh là là, regardez-moi ça! Il faut que j'aille à droite, mais j'ai pas le temps de le voir en fait avec cette vue. Il y a trop peu de visibilité dans ce mode-là.
Et là par exemple je suis que 6ème. Alors j'ai un mec qui commente mais je n'ai pas compris ce qu'il disait. Bon c'est la version anglaise du jeu aussi, j'ai oublié d'en parler, je sais pas s'il y a une version européenne. Même une version japonaise. Bon après j'ai souvent version japonaise parce que dans les années 90 souvent il y avait vraiment... Ah je fais n'importe quoi. Il y avait vraiment des versions... C'était vraiment localisé d'abord Japon, puis après Europe et États-Unis ou États-Unis Europe. Voire même Pacifique, hein, qui est souvent les jeux complètement à la bourre. Oh, le ralentissement qu'on a eu. Alors là, je vais essayer de rester en haut. Et j'ai loupé le checkpoint. Yuri up. Allez, 34 secondes pour finir le tracé. Est-ce que ça va être faisable? Bon, si je me plante pas, je dirais bien que oui. Et si c'est pas le cas, je pense qu'on va avoir game over. Ah, j'aurais bien récupéré la 5ème place. Allez, 11 secondes. Je sais pas où est le checkpoint. Ouais, c'est bon, on devrait réussir. Bon, on finit que 5ème. Donc c'est pas spécialement un grand résultat. Eh ben écoutez, je pense que ça va être la vidéo la plus courte de la chaîne concrètement, enfin à part peut-être les premières, puisque quand la chaîne a débuté, je pouvais pas faire des vidéos de plus de 2 minutes, mais... Bah on a tout vu en fait, concrètement, à part cette course qu'on n'a pas gagnée effectivement, mais bon on a vu les 4 tracés, on avait quelques avions, j'ai pas vu vraiment de grandes différences de maniabilité, à part peut-être un peu de vitesse, mais j'ai pas vu beaucoup de différences, c'est un petit peu dommage. Est-ce que le jeu est bien au final, ça vous le jugez comme d'habitude, mais bon, moi je dirais que c'est un jeu qui est très très moyen. L'idée est pas mal, l'idée est fun dans l'absolu, parce que c'est quand même rapide, c'est quand même vif, c'est un peu en 3 dimensions dans le sens où on peut... C'est pas comme un jeu de course classique. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça manque d'objectif en fait concrètement. Vous allez gagner 4 courses et après, vous faites quoi? Je sais pas. Allez, bah écoutez, on va s'asseoir là-dessus, sur ce replay, ma foi, plutôt intéressant, plutôt sympa, plutôt bien fait. Et je vous dis, ben, à la prochaine. C'était donc Bravo Air Race sur PlayStation. Ciao tout le monde!